Et bonjour à vous les béliers, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc on est parti pour votre guidance sentimentale du mois de mai. Donc n'oubliez pas que ça reste une guidance générale, donc je ne pourrai pas capter tous les béliers. Je capterai surtout les vibrations les plus fortes, la majorité des béliers, ce que vous vivez en majorité. Donc on va commencer par aller voir qu'est-ce que vous allez travailler durant ce mois de mai avec l'oracle ombre et lumière. Donc je vois déjà que vous êtes en train de travailler le lâcher prise, c'est-à-dire à ne plus maîtriser quoi que ce soit, que vous allez faire confiance en votre clairvoyance, en votre intuition. Et puis ici qu'il va y avoir un éveil, un nouveau départ pour vous à ce niveau-là. Donc apparemment durant le mois de mai vous allez réussir à faire taire votre mental, ami bélier. Alors, qu'est-ce que vous travaillez principalement? Ben, la prise de recul, donc le lâcher prise et l'estime de soi, c'est-à-dire vous faire passer en priorité et ce qui va vous attirer le meilleur, ami bélier. Ok, allez, on est parti pour la guidance sentimentale du mois de mai et je vais commencer par la première semaine du mois de mai, donc là, actuellement. Au niveau sentimental avec le tarot, et je ne veux qu'une carte. Alors actuellement, vous avez la tour. Donc on parle d'un bouleversement ici en cette première semaine. Alors, il n'est pas forcément négatif le bouleversement, hein. Il se peut ici que ce soit un changement de direction, un déclic qui se fasse en vous, justement pour vous attirer le meilleur. Il y a eu, quand on a la maison Dieu, donc la tour, il y a eu une forme d'attente de votre part au niveau sentimental et c'est la fin de l'attente puisqu'ici quelque chose dans la semaine va venir bouleverser le cours des choses et c'est pour ça que je vous disais ici ne le prenez pas mal parce que quand même en dos deck j'ai un page de coupe. Le page de coupe ça parle ici d'un nouvel amour hein, ou alors si c'est pas un nouvel amour ici c'est la conscientisation de ce que vous désirez au niveau sentimental. Donc, la tour plus le page de coupe en cette première semaine du mois de mai vous dit ici ou un, en effet, vous étiez célibataire et oui, ici, il y a peut-être le début d'une nouvelle romance ou il y a l'arrivée de quelqu'un dans votre existence. Si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, il s'est passé certaines choses dernièrement où il y a pu y avoir des conflits et il y a une conscientisation par un état de fait, par cette tour ici, ben, que vous désirez l'amour ou que vous désirez consolider le lien. Ok? Alors, deuxième semaine du mois de mai pour nos amis béliers. On a une reine de pentacle ici en deuxième semaine. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Hein, ici, ça dit que vous avez la patience, le temps pour transformer les situations négatives en situations positives. Ici, vous avez une idée bien précise de ce que vous désirez en amour. Et ici, la reine de Pentacle dit que vous allez mettre toute votre énergie pour obtenir le meilleur en amour. Donc, si vous êtes dans une nouvelle rencontre, ici, il y a une énergie de lenteur, de prendre son temps, justement, pour concrétiser les choses, pour que les choses se consolident. Et si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, ça dit tout simplement que vous suivez votre chemin et que vous donnez le meilleur de vous-même pour faire que cette relation bah, coule de source. Donc en dos de deck, il y a quand même un roi d'épée ici. Alors, soit cette carte vous représente et dit que vous avez la détermination, la force pour concrétiser le lien ou pour concrétiser cet amour avec cette personne. Ou alors, vous avez affaire à quelqu'un ici de totalement différent de vous. Mais c'est pas négatif puisqu'ici, ça dit, avec la reine de Pentacle, ça dit que vous allez faire en sorte ici d'être sur la même longueur d'onde. Hein? Ok. Troisième semaine du mois de mai pour nos amis béliers au niveau sentimental. On a un 7 de bâton ici. Donc, on est toujours en train de travailler sur soi, de travailler pour ce lien. Ici, il y a de l'ambition. Ici, il y a de l'envie d'entreprendre. Ici, il y a de l'envie d'aller de l'avant. Hein? Ici, on a un roi de coupe. Ben oui, parce que ici, soit ça vous représente, donc soit vous avez ce désir d'amour inconditionnel, de vous poser, de concrétiser les choses, d'exprimer votre amour. Ou soit ici, c'est quelqu'un en face de vous qui vous donne cette envie justement d'aller de l'avant, d'entreprendre
et d'émettre des actions, parce que le 7 de bâton, c'est quand on émet des actions, on n'est pas seulement dans les paroles, on est aussi dans des actes ici. Dernière semaine du mois de mai pour nos amis Bélier. Eh bien, on a un roi de bâton. Donc ici, ça peut vous représenter puisque c'est un signe de feu ici. Ici, on concrétise une passion, on obtient ce que l'on souhaite. Ouais, parce qu'il y a eu une prise de recul, il y a eu une méditation, il y a eu un lâcher prise. Et parce qu'on a cherché ici des réponses à ces questions, on a cherché une issue positive. Et pour moi, vous l'obtenez puisque vous êtes un roi ici et un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui concrétise sa passion. C'est celui qui obtient ce qu'il souhaite, mais parce qu'il a été dans l'action. Et on l'a vu hein, dans votre troisième semaine que justement, vous êtes en quête de quelque chose. Donc, si on fait un gros résumé de votre mois, ami Bélier, on vous dit, si vous êtes célibataire, il y a bien quelqu'un qui rentre dans vos énergies. Et puis, il y a une idée ici de ne pas rester que dans des paroles, mais dans des actes pour faire en sorte que la relation se consolide, se concrétise dans le moi. Donc, vu que vous finissez avec un roi de bâton, vous conservez le lien. Et puis, il y a même une forme de stabilité et d'équilibre trouvé ici entre toi et quelqu'un. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un, ben, on vous dit ici que c'est grâce à votre état d'être, c'est grâce à votre détermination, à votre conviction que quelque chose s'équilibre dans la relation. Mais ici, c'est un tirage très positif hein, pour moi. Donc, on va aller clarifier les cartes. Première semaine du mois de mai. Donc ici, on vous dit que vous avez un déclic par rapport à ce que vous désirez au niveau sentimental. Ou alors, on vous parle d'un nouvel amour qui vient ici vous bouleverser. Et oui, il y a un feu vert. Donc, on te donne la permission ici. Ici, oui, en effet, si vous êtes dans le début d'une relation, si vous êtes dans une nouvelle rencontre, on a l'air de te dire, oui, c'est bon, on valide, on te dit oui ici. Et puis, pareil, hein, si vous êtes en lien avec quelqu'un, en effet, hein, on vous dit que c'est le bon moment, c'est la bonne synchronicité, c'est la bonne action à entreprendre. Deuxième semaine du mois de mai, avec votre désir ici de faire les choses par étapes avec lenteur et de faire les choses pour qu'elles se transforment en positif. En effet, on vous parle d'une chance, d'une opportunité. Ouais. Donc, on est toujours sur... Un très bon tirage, ami Bélier. Troisième semaine, ton entrepreneuriat, tes actes, tes actions, l'envie d'aller de l'avant pour consolider le lien. Ici, ami Bélier, troisième semaine. Attention, on a l'illusion. Alors, soit ici, l'illusion peut parler de magie ici. Et c'est la magie qui te porte à mettre des actions, à continuer d'aller de l'avant et à entreprendre. Soit ici, on te met un petit drapeau orange ici, parce que ça peut être ici où vous revenez dans une fausse croyance, dans de l'illusion, dans du déni, où vous pouvez vous tromper. Mais quand on a la carte du feu vert et de la chance, je pense qu'on est plus dans l'énergie de magie ici. Tu vois ? Magie, hop, il y a le petit lapin qui sort, le lapin, fécondité, fertilité, ok. Dernière semaine, avec cet équilibre retrouvé, cette relation qui a l'air de stabiliser et de rester dans l'énergie de passion, d'action et d'envie de continuer, d'entreprendre ou de cheminer ensemble. Ah mince, on a une séparation. Pourtant, il y a des projets ici. Alors, je vais être obligée d'en remettre une ici. Pourquoi une séparation? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, séparation, réconciliation. Alors, on peut vous parler de petits clashs ici. Parce qu'on garde espoir. Alors ici, on peut vous parler d'un petit clash ici Ah, j'arrive pas à le dire. Pourquoi j'arrive pas à le dire? En cette fin du mois de mai ici. On va remettre d'autres cartes. Hein. Je vais être obligée de remettre d'autres cartes parce qu'ici, séparation, réconciliation, il risque d'y avoir ici. Ou alors, c'est cette carte ici, troisième semaine du mois de mai, malgré vos efforts, malgré vos actions,
Malgré votre détermination, votre force d'illusion, vous revenez dans une peur, peur de perdre, ce qui fait que malgré l'équilibre, malgré la consolidation des liens en cette dernière semaine du mois de mai, il y a un risque de rupture, mais on vous dit, c'est pas une rupture définitive puisque vous allez finir par vous retrouver. C'est juste peut-être ici un rééquilibrage entre toi et cette personne. On va, de toute façon, je vais clarifier les cartes. Alors, avec la Métisse Love, première semaine du mois de mai, ce nouvel amour ou ce déclic pour aller vers votre amour et cette permission, cette validation ici. J'ai trop de cartes, je ne peux pas les prendre. Qu'est-ce qu'on vous dit, ami Bélier? Non, elle s'est remise dans le paquet. Ouais. Ben oui, nouvel amour, pourquoi? Parce que vous vous sentez attiré, hein. Il y a une attraction mutuelle en plus, hein, avec cette personne. Et puis, si vous êtes déjà dans un lien, bien ici, on vous dit hein, que vous vous attirez l'un vers l'autre d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose de chimique ici, hein. On parle de réciprocité quand même, hein. Ok, sur la deuxième semaine, avec cette chance ici, ne pas brûler les étapes ici. Qu'est-ce qu'on vous dit, deuxième semaine? On vous parle, voilà, d'un, oui, en effet, d'un nouveau départ ici. On vous parle d'avoir retrouvé une paix, un calme, un équilibre. Ce qui fait que vous êtes dans cette énergie de reine de pentacle, hein, de vouloir ne pas brûler les étapes, de vouloir bien faire les choses, parce qu'ici, il y a une chance, il y a une opportunité, justement, de retrouver son bien-être, son calme, son équilibre, de guérir d'une peine de cœur du passé aussi. Troisième semaine, et c'est là que ça se complique, donc on va voir l'idée d'entreprendre. Ah, on a quand même la rupture. Ouais. Alors, je vais faire la dernière semaine pour voir ici. Avant de vous dire ici, parce que ouais. Et là, on a quoi? On a une âme sœur. Bon, alors, troisième et dernière semaine du mois de mai. Ouais, triangulaire ici. Alors, la triangulaire, c'est pas forcément que cette personne a une autre personne. C'est qu'ici, il y a quelque chose qui... Ou le travail, ou la famille, ou les amis. Il y a quelque chose qui fait que dernière semaine du mois de mai, ici... Même si vous sentez ici que vous êtes avec la bonne personne, même si vous avez envie d'entreprendre ici, il y a des doutes qui reviennent, il y a des peurs qui reviennent, ce qui va impliquer ici un clash, parce que où il y a une peur d'être trahi, d'être trompé ici, où il y a un domaine ici qui interfère dans votre relation à deux. Mais de toute façon, vous finissez avec la réconciliation. Donc, je vais mettre quelque chose à côté de l'âme sœur. On va les voir de toute façon tout à l'heure dans l'évolution. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. Alors, j'ai trop de cartes, donc je vais être obligée de les remettre dans le paquet. Ah ben non, quoique non, puisqu'ici, on a l'énergie d'âme sœur, donc un amour véritable. On a prendre une décision pour une nouvelle réconciliation ou une nouvelle rencontre. Alors, et puis, en dos de deck, j'ai la non-communication. Alors, ami Bélier, c'est un peu compliqué ici pour vous. Dernière semaine du mois de mai. Et puis, même la troisième semaine, puisque en troisième semaine, malgré votre énergie d'aller de l'avant, malgré votre énergie d'acter des choses, il y a des peurs qui reviennent. Ici, des peurs qui reviennent par rapport à... une énergie triangulaire. Alors, soit vous avez peur que l'autre... vous trompe parce qu'il y a une blessure du passé. Soit ici, il y a de l'influence, il y a des énergies tierces qui font que vous allez vous diriger au clash et ça se confirme malgré ici une passion, un équilibre. Le fait que vous pensez que cette personne est la bonne et que vous êtes en train de faire peut-être de l'auto-sabotage. Ici, vous allez finir par vous réconcilier, mais oui, en effet, troisième et dernière semaine du mois de mai, ça va être un gros, gros passage à vide. Ok, je ne sais pas trop ce que je vais mettre en titre, ami Bélier, parce que ça a l'air d'être assez compliqué ici. On va tout de suite aller voir justement qu'est-ce qui se passe dans cette relation ici. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Alors, je vais mettre le monsieur ici, la dame ici et on est parti.
Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Donc, comme je l'ai dit, ici, ami bélier, ça parlera aux célibataires comme aux personnes qui sont en lien avec quelqu'un, parce qu'ici, on annonce bien l'arrivée de quelqu'un, hein, pour vous, ami bélier, en ce mois de mai. Donc, ça va vous concerner aussi, hein, la suite de ce tirage. Et puis, si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, si vous avez déjà fait cette rencontre, ou si ça fait un moment que vous êtes avec cette personne, ce tirage aussi vous concerne. Bon, évolution durant le mois de mai entre ces deux personnes. Bon, en effet, on en a à dire ici. Donc, on a une perte d'espoir ici. Pourtant, on a une réussite. Donc, malgré l'énergie ici d'être dans la prise de recul, dans le lâcher prise, de s'écouter et de se faire passer en priorité, dans la relation que tu as à l'autre, il y a quand même ici pas assez de confiance. Ou ici, il y a quand même des peurs qui reviennent dans ton énergie. Pourtant, on a l'air de te dire que cette future rencontre ou que cette rencontre ou que cette relation va te mener vers une réussite. Mais quand on a la carte de Nadir, c'est une carte de comportement, d'attitude, de ressenti. Ici, c'est comme si vous commenciez la relation avec des blessures ou que vous commenciez dans la relation avec « j'ai peu d'espoir quant à l'avenir de cette relation ». Et si vous êtes déjà dans la relation, c'est la même énergie. C'est comme si vous savez ici que cette personne, elle n'est pas rentrée dans votre vie par hasard, qu'il y a quelque chose à vivre, qu'il y a une forme de réussite à accomplir. Et puis, de l'autre côté, effet contradictoire, il y a quand même peu d'espoir. Alors, ok. Ensuite, évolution dans cette relation. Hop là, elle m'a sauté direct. Oui, écoute ta boussole intérieure. Si tu as envie d'aller de l'avant, écoute-toi. N'écoute pas ton ego, ton mental. N'écoute pas tes peurs, n'écoute pas tes blessures ici. On te dit de couper ici avec le mental. On te dit d'aller récolter, d'aller chercher ton bonheur. On est bien dans un nouveau départ, dans un renouveau ici. Ok. Alors, évolution dans cette relation. Oui, prise de hauteur, mouvement. Oui, regarde, il y a un reste ici. Hein. On a la trahison ici. On a un reste. Je ne sais pas si vous avez conscience ici, ami bélier. Si vous pensiez ici avoir guéri d'un sentiment de rejet, d'abandon ou de trahison, ça n'a pas l'air d'être le cas. Parce qu'ici, on vous annonce bien un renouveau dans votre vie sentimentale ou avec une personne qui est déjà dans vos énergies ou avec une nouvelle personne. Mais il y a un reste de quelque chose. Plus la relation avance et plus vous revenez dans votre blessure de rejet et d'abandon. Et les cartes ici ont l'air de vous dire pour ce mois de mai qu'il va vous falloir faire un effort pour faire taire vos peurs, pour faire taire cette blessure, pour prendre de la hauteur, de la distance face à votre ego, à votre mental, pour vous reconnecter à votre boussole intérieure et pour suivre le flow, pour suivre ce que l'univers est en train de vous mettre sur le chemin, pour, comme il a été dit ici dans votre guidance, surtout avec la reine de Pentacle, pour ne pas chercher à précipiter les choses, mais pour vivre dans l'instant présent, ok, il y a cette énergie-là. Ensuite, évolution entre ces deux-là. Wow, regardez, bonheur. Il y a un cadeau et pourtant, regarde la contradiction. Il y a une énergie de froid dans ton cœur, de froid dans ta vie. Il y a des peurs ici, ami bélier. Donc, faites attention parce que je pense que vous pourriez faire capoter quelque chose qui a l'air d'être assez prometteur. Ou un renouveau ou une nouvelle rencontre. Alors, on continue avec les anges de l'amour, évolution, sentiments romantiques. On vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Autorise-toi le bonheur ici. Bon, ici, il y a de l'auto-sabotage chez les béliers. Hein, parce qu'il y a un reste de quelque chose. Hein. Ok. Évolution dans cette relation. Waouh, nouvelle rencontre proche. Donc, si vous êtes célibataire, oui, il y a bien quelqu'un qui rentre dans votre énergie. Hein. Et puis, on te dit que tu le sais, tu le sens parce que tu as reçu des signes. Ou alors, tu es déjà en communication virtuelle avec cette personne.
Et puis, si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, on te confirme qu'il y a un renouveau dans votre relation, qui se dirige vers quelque chose de beau. Donc, on a l'air de vous dire que c'est vous ici qui pourriez faire capoter les choses ici, par des peurs, par des souvenirs du passé, par des choses que tu crois voir et qui ne sont pas la vérité. Attention, vous avez eu l'illusion quand même en troisième semaine. Et cette illusion, cette peur, risque de vous amener à une rupture. Donc c'est quand même là, hein. Donc on vous dit pas que vous allez vivre un bonheur parfait. On vous dit qu'il y a un bonheur parfait qui vient vers vous, mais que vous pourriez le faire capoter par des peurs, par des souvenirs du passé. Donc on va aller voir tout de suite les messages sans filtre de cette personne pour toi. Alors, message sans filtre de cette personne pour toi. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un ici qui est très très occupé. Je comprends mieux, vous me direz. Qui est noyé sous ses problèmes, qu'il ne fait pas de toi sa priorité. Alors, c'est peut-être pour ça, hein, que vous aurez le sentiment de triangulaire. Je vous ai dit qu'il y avait un domaine qui prenait le dessus sur la relation, que l'énergie tierce, c'était pas forcément une autre personne, c'était pas forcément l'énergie de je vais te tromper avec une autre personne ici. On voit bien ici que c'est quelqu'un qui est un peu sur tous les fronts et qui du coup ne va pas être à fond, hein, dans la relation. Et on voit toi, étant donné que tu étais représenté en roi de bâton, que toi tu as envie de passion. Toi, tu as envie que toute l'énergie soit dirigée sur toi. Sauf que ici, ce ne sera pas le cas. Donc, on te dit que c'est quelqu'un ici à qui tu manques ou à qui tu pourras manquer dans le mois, puisque ici, cette personne te dirait sans filtre, ton corps me manque, et j'ai dit ton cœur, mais ça a un sens, tes baisers me manquent, ton odeur me manque. Alors ici, oui, en effet, il va bien y avoir une prise de distance de ta part, ami Bélier. Hein? Parce que si cette personne te dit que tu lui manques dans tous les sens du terme, c'est qu'il va y avoir une prise de distance de ta part. Et ici, on a quelqu'un, je t'aime moi non plus, pardon. Je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas vivre avec toi, je t'aime moi non plus. Il y a quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas forcément un engagement là tout de suite. Sachez-le, hein. Ok, vous, qu'est-ce que vous lui diriez sans filtre? Vous lui direz sans filtre ici que vous avez des pensées de tendresse ici, que vous voulez son bonheur, mais aussi votre bonheur, quitte à ce que ce soit avec ou sans vous ici. Donc vous avez quand même une forme de bienveillance, hein, ami Bélier. Et puis surtout, vous lui direz ici que vous l'admirez, vous le respectez. Qu'il vous inspire. Regardez, il vous met dans cette énergie de passion quand même, hein. Mais c'est vous, regardez, je suis perdue. J'essaie de trouver mon équilibre. Je m'interroge. Regardez, c'est vous, et je pense que c'est ce que je vais mettre en titre. C'est vous qui risquez ou qui risqueriez de faire cafouiller la relation par vos peurs et par vos doutes, par des blessures du passé qui ne sont pas guéries ici. Un autre message pour vous de la part de cette personne. Alors, on vous dit que cette personne est la bonne puisqu'il y a une bénédiction des guides. Et on vous dit que cette personne veut vous choisir mais qu'elle n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage malgré sa sincérité. On vous demande d'être patiente ou patient. Ici, on est en train de vous mettre en miroir que la personne en face de vous, elle a plein de choses à faire, à entreprendre. Elle ne peut pas que se consacrer à vous. Ici, on vous dit que c'est quelqu'un qui est sincère, mais qui ne peut pas tout lâcher pour vivre une passion comme vous, vous voulez ici. Et ça, il va falloir que vous le compreniez. Et on te dit en dodec, cette personne prendra son temps, te testera, t'observera avant de se décider. C'est l'énergie de la reine de Pentacle. C'est l'énergie de lenteur dans cette relation. On te dit qu'il y a des blocages liés au passé, et ça, c'est toi, que la relation sera lente. Bon, on te parle bien, on te dit bien ici qu'il y aura une énergie de lenteur. Donc ne précipite rien, ne te mets pas martel en tête parce que c'est toi qui risques de tout faire cafouiller. Conseil pour toi, ami Bélier.
Alors, on te dit repensez-y. Ben voilà, ok. Donc, avant de couper, avant de trancher, on te demande de méditer, de prendre du recul. Et oui, dans les prochaines semaines, ben dans les prochaines semaines, rappelle-toi, troisième et quatrième semaine du mois de mai. Donc, il y a quelque chose qu'il ne faut pas que tu fasses si tu ne veux pas que la relation se termine. Parce que on l'a eu deux fois la carte de la séparation, ça plane au-dessus de toi, même si on a eu la carte de la réconciliation et de la reprise de contact ou de la reprise de la relation. Fais attention. Et on a un grand oui ici, hein. On te donne un ordre, on te dit oui, il va falloir y repenser dans les prochaines semaines si tu souhaites concrétiser cette relation ou garder cette relation. Deuxième conseil pour toi. Pour que la situation fonctionne, mets-y du cœur, c'est la clé de la réussite. Et oui, tout dépend de toi. Et on te dit, patience, cela arrivera au bon moment. Et tu termines avec une dernière carte du petit oracle des anges, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. Donc déjà, on te dit qu'au niveau pro, et pas qu'au niveau pro, tu es quelqu'un de très créatif, plein d'idées, plein d'actions, plein d'entrepreneuriat. Bon, on a bien un roi de bâton ici. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous tes désirs, tous les désirs de ton cœur. On a l'air de te dire que si tu veux que quelque chose se crée, ici, tout va dépendre de toi, ici. Et je pense que c'est ce que je vais mettre en titre. Voilà les béliers pour votre mois de mai au niveau sentimental. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. C'était Maëlle.